Donc nous voilà sur le circuit d'Austricourt. Donc là on commence avec la ligne droite de départ où ça va commencer avec un droite qui se passe à fond où il faut prendre la corde assez tard. Un petit bout de ligne droite avec encore un droite qui se passe à fond qui va arriver sur un gros freinage assez fort où il faut prendre la corde assez tard et puis bien accélérer tôt pour conditionner toute la ligne droite derrière. Là on va arriver sur un gauche avec une bosse où il faut bien la négocier sinon ça nous envoie à l'extérieur. La même chose au virage suivant, un gauche avec encore une bosse qu'il faut bien négocier pour le virage, encore un gauche. Là on arrive sur un droite où il faut bien prendre l'intérieur. Ici il va y avoir le pif-paf où il faut bien sacrifier l'entrée pour bien sortir du pif-paf. Ici on va arriver aussi sur un gros frein du circuit, on appuie. Donc on arrive, on freine tard, on accélère le plus tôt possible pour parce que derrière c'est une montée. Donc voilà une épingle à gauche. Et là c'est un pif-paf où il y a plusieurs façons de le passer, mais de prendre le vibreur c'est pas mal. Et là encore un droite à fond avant d'arriver sur la ligne d'arrivée.